Run. Arrête de jouer cet engrenage et qu'on arrête de... Et c'est pour ça que je suis là, parce que voilà, les gens qui manifestent pacifiquement, c'est plutôt comme ça qu'on s'en sortira tous ensemble. J'aimerais bien. Et j'apprécie ta démarche, parce que nous, c'est ce qu'on a dit depuis le début. L'IGPN, mais personne n'a confiance. La France signe en 2001 un code éthique de police européenne. C'est ça. Qui dit la police n'a pas le droit d'enquêter sur la police. Pour une raison simple, même si les fonctionnaires faisaient leur travail en conscience, il y aurait toujours une suspicion, une partialité. Et nous, c'est ce qu'on demande. Même les policiers de terrain n'ont pas confiance en l'IGPN. Les policiers de terrain n'ont pas confiance. La population n'a pas confiance. Les seuls qui ont confiance en cette institution, c'est les commissaires et le pouvoir politique. Donc au bout d'un moment, c'est que ça pose un problème. Donc ce qu'on aimerait bien, et j'ai trouvé très bien ta démarche, l'affaire Steve l'a prouvé à Nantes. Quand c'est l'IGPN, c'est tout va bien. Quand c'est la police judiciaire, curieusement avec un magistrat instructeur extérieur, il y a quand même de sacrés problèmes. Donc je veux dire, arrêtons cette mascarade des IGPN et donnons un contrôle externe, ce qu'on voudrait, pas contrôler sous le ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on dit très régulièrement. On interne déjà pour la police, pour les suicides par exemple. Quand la police enquête sur la police, c'est toujours des fautes personnelles.